Non, oui, Fuzzer est toujours perché. Corrupted. Bon, on va essayer de faire le grid mode avec Ave. Again. Un jour j'y arriverai. Squeeze, c'est sérieux? Moi je dis pas, ça peut être bien, mais. Je suis en déj de dégâts avec Eve. Regardez ça, quoi. Punaise, ça va mal se finir cette histoire. Ah, des araignées. Génial. Mes meilleurs amis dans ce jeu. Ah, j'ai mon œil qui me gratte. Ah! Ah, j'ai mon œil qui me gratte très fort. Ah, ça chatouille. Ah! Ah, damned. Ah, je vais jamais y arriver. Oh putain. Aïe! Ah! Mon œil. C'est une mutinerie. Mon propre corps veut ma mort. Ah! Oh! Ah mon Dieu! Putain, vous avez vu le nombre de points de vie que j'ai perdu quoi là-dessus? Il va falloir que je recommence, hein, ça va pas être possible. Oui, ça va pas être possible, je recommence. Nope. Ah. Il me faudrait du dégât pour bien commencer avec Eve. Ou de la vitesse de tir. Je dois admettre que la vitesse de tir, ça peut pallier au problème. Alors toi, j'étais persuadé que je t'aurais touché avec le premier tir. Sérieux, Eve fait tellement peu de dégâts que pour tuer une petite araignée, il lui faut 3 larmes. Oh putain! Je sais même pas comment je me suis sorti de ça sans prendre de dégâts. Hein. Non, mais c'est pas vrai, ça se passait bien jusque-là, quoi. Ok, ça se passe plus très bien du tout, là. Je vais en profiter pendant qu'il y a l'oiseau qui est présent. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, fatigue, quoi. Sérieux, il est insupportable ce boss. C'est un sac à PV quoi, sérieux. Ouais, je vais mourir au prochain coup.
Bon, tant pis pour le Little Bird. Bon, on prend ça. On prend ça parce que c'est les soldes et c'est du HP en plus. J'ai pas de bombe, ça m'énerve. Et je peux rien faire de vraiment de plus. Moment de tears. Bon. Ça peut s'avérer utile, hein. Pourquoi j'ai fait ça? Et je fais pas assez de dégâts en fait, hein. On est d'accord là-dessus. Bon allez, suicide? Ah non, bizarre, j'étais persuadé que j'aurais plus de vie à l'heure qu'il est. Allez là. En 2 secondes, qu'est-ce que ça raconte sur le live? Ah oui, les pots de peinture. Il me semble bien, j'ai plus qu'un cœur. Hein. Pentagramme, allez. Niveau dégâts. Sérieusement. Ça va être compliqué cette histoire, hein, je vous le dis. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a ici, on disait? C'était chaud.
Bon, ça va, le boss était sympa. Oh merde, pourquoi j'ai fait ça? Je savais que c'était une idée à la con en plus. Oh la vache, la flamme à laquelle elle... La vitesse à laquelle elle la kill, quoi. Bon, la tête de Krampus c'est sympa, mais les flammes c'est cool. Les flammes c'est plus régulier que la tête de Krampus. Hop là. Oh mais attendez, j'ai oublié un truc moi ici. Oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Décidément, je me plaignais depuis tout à l'heure de pas avoir de force de frappe. Maintenant, j'ai plus de vitalité, mais j'ai que de la force de frappe qui m'est donnée à chaque fois, quoi. Oh merde. Ça, c'est vraiment Vislard comme attaque. Putain, sérieux quoi, j'ai qu'une point de vie quoi. Cette run, elle me fait économiser des trucs. Courage, ouais, bah je fais ce que je peux, moi. Je commence un petit peu à désespérer à force. Oh. Peut-être que cette run, on va pouvoir en faire quelque chose. Et sérieux par contre. Génial, on va encore avoir droit aux mouches inkillables, puisqu'elles sont hors là et hors bordure. Encore des ennemis que j'apprécie énormément. Les mouches qui se barrent comme ça dans la pierre, ce qui fait que tu peux juste pas leur faire de dégâts. Quoi, c'était un peu radical la bombe? C'est ça que vous voulez me dire? Oh non, mais là par contre les gars, faut se détendre. Détendez-vous, lâchez-moi. Putain, mais dès que j'ai la bombe, ça va être la fête quoi. Voilà, ça fait du ménage un peu. Hein. Oh non, des araignées. Voilà, c'est pour ça que je les déteste. Heureusement que je suis pas arachnophobe, ça m'aurait donné encore une raison de plus de les détester. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, je peux plus rien faire là. Je te déteste, putain d'araignée de merde. Et toi, arrête de sauter au-dessus de mes tirs, putain. Tiens, bah toi, je vais te prendre parce que ça peut être cool. Puis
Puis voilà. Voilà ça, parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite. Un mob spawner. Voilà, ça prendra, tiens. Y a pas plus pourri comme non, comme assortiment de boss. Je peux avoir des trucs bien sinon de temps en temps. Allez, crève. Pourquoi le jeu a freeze? Voilà. Ok. Attends, de quoi ça parle? C'est gênant ça un peu. Je vais encore mourir parce que le jeu il a décidé de me fistfuck. Je survivrai quoi qu'il arrive. Je crois. On va essayer. Est-ce que je vais y arriver, bordel? Telle est la question. Putain, cette salle est remplie de merde. Littéralement. Bon, est-ce qu'il y a Campus? Tant qu'on y est. Ok, non, il n'y a pas Campus. Oh, attendez. Si je fais ça, logiquement, ça me redonne un cœur. Yes. C'était bien vu. Il y a peut-être moyen que je fasse un guppy du coup. Bon bah du coup je peux faire ça en fait. Je veux dire... Ok, ça servait à rien. Très clairement. Puis on va prendre deux cœurs comme ça. Là, il va planter. Ah non. Non, non, ici ça fonctionne toujours. Tout le monde veut me tuer, quoi. Ça se trouve, même mes viewers veulent ma mort. Au point où j'en suis. Pourquoi pas, je peux up la cup. Death Touch! C'est trop bien! Oh, j'ai Death Touch quoi. C'est trop génial. J'adore. C'est trop bien! Bon, d'accord. Bon, par contre, si j'avais un peu plus de vitesse de tir, ce serait pas mal du tout. Parce que là, je me sens un peu mal en point. Je me sens un peu délaissé.
C'est pas vrai, c'est pas passé quoi. Eh mais ils ont fini avec tous ces spawns là. Je vais utiliser la sacrificielle dagger pour me battre, je crois. Enfin, peut-être pas contre des bestioles comme ça. Ah si, allez, on y va. Oui, je suis Riz. Alors, de quoi ça parle? Oh oui, des bombes à gogo. Alors du coup, la flamme, on va peut-être pas la prendre tout de suite. Oh, c'est bon ça. C'est très très bon ça. HP tears up shot speed down, ok. Bon, les deux monstros, ça se fait. Et ça se tank les monstros. Ça se tank avec le sacrificiel dagger. Ça fait du cac. Oh mon dieu. C'est ça, Gurdy. Déconne. Gurdy, c'est un boss qui m'énerve, ça. Oh, je vois. Ouh. Oh oui. Oh le Mom's Knife. Oh oui. Oh le Mom's Knife. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup le Mom's Knife. Ah oui, 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 oui. Et du coup, c'est quoi ça? Bonne nuit, salt in my soap. La sacrificielle dagger, je vais m'amuser. Oh oui, des sous. Des sous. Je veux la richesse. Par contre, j'arrive plus à suivre votre discussion, le live. Très clairement. Stem cells. C'est cool. Là, ça je vais l'exploser.
S'il vous plaît. Monsieur, merci. Oh, c'est pas vrai quoi, je me suis placé sur la trajectoire du tir. S'il te plaît, merci. On va tous être riches, Doc. Bah ouais, je sais. Je sais, je sais. Voilà pourquoi j'adore le Mom's Knife. J'ai limite OS le boss, quoi. Et voilà. S'il te plaît. Voilà. Et voilà. Voilà pourquoi le Mom's Knife, ça m'éclate. Je vais rien acheter à cet étage, juste une clé. Oh, je vais faire ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça déjà? Oh! Ok, ça on s'en fiche. Les homing bombs, ok. J'arrive pas à les toucher. Oui. Là je vais mourir logiquement. Ah non. Là je vais mourir. Oui. Voilà. Oui d'accord. Ok, là je suis concentré. Un petit peu trop peut-être. Vous sentez la concentration over 9000 qui n'est pas suffisante visiblement. Oh merde, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je suis en train de perdre toutes mes vies comme un gros con. Un mini mush, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ce coup-ci? Qu'est-ce que je vais prendre ce coup-ci? Là.
Allez. Oh, lame. Ça va mal se finir pour moi. Oh oui, fais ça. Oh. Oh putain, c'est pas vrai quoi, ce boss là. Je crois que je vais pas faire cette salle, hein. On va passer à la suite. Bon, on va voir si je vais me suicider. Paralysis, ouais. D'accord. Là, elle sup. Ok. Pourquoi j'ai pris ça? Oh non. Gaspillage de bombes. Gaspillage de bombes. Toi, je te fais exploser. Ah, c'est vrai que j'ai des homing bombes, putain. Moi qui voulais exploser la flamme tranquille. Oh, dame, c'est des invisibles. Ça, c'était pute. Non, mais arrête de spawner des monstres, toi. Oh merde, c'est des trucs qui explosent maintenant. Non mais, quelle était la probabilité que ça me spawn à la gueule? Réellement. OS. Masque d'infamie, tiens, ça va être rigolo ça. Bon bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est beaucoup pas mal ça. Et sortez du sol de manière moins chiante si possible. Bah ben voilà, je me fais totalement niquer à cause de ces saloperies qui se mettent à 15 pour tirer en même temps. Oh non. Putain. Voilà, ok, ça c'est pas mal. Avec ça, on va peut-être pouvoir aller affronter le Ultra Grid. Peut-être. The Sun. Une bombe en or? Ça existe vraiment? C'est la première fois que je vois ça dans le jeu.
J'ai genre bombe illimitée. Ah oui. Ah merde, j'ai cassé la machine. Bon, bah c'est de la merde. Alors. Mais oui, même moi, avec mes plus de 100 heures de jeu sur Isaac, j'en découvre encore des choses, quoi. Un cœur, quoi. À votre bon cœur, mesdames. J'appelle ça du troll. Là. Et voilà aussi. Et puis voilà. Hop. Puis le mendiant, je vais lui donner des clés, hein, parce que de toute façon, j'en ai plus utilité, moi. Voilà. Je t'éclate la gueule maintenant. Oh, j'ai failli ramasser cet objet. Je l'ai raté? Merde alors. Mais on a évité le pire avec ce mob. Sérieux quoi, me foutre 3 pride. Voilà, ça c'est fait. Là, ici, et là, là. Hop, ça fait des sous, des sous, des sous. Ça, je prends. Oh non, mais on me propose que des items sympas, là. Ok, 4 monstros, qui dit mieux? Hop là, ça c'est fait. Ok, donc là par contre je dois admettre que je me fais enculer à sec, hein, parce que... S'il vous plaît, sors du sol. Non, je t'ai tué aussi? D'accord. J'étais persuadé qu'il vivait encore. Une heure avant sa mort, il était toujours vivant, hein, comme on le dit. Là, il me semble bien que j'allais pas finir guppy avec ça. Chier. Oh, c'est pas vrai, je l'ai raté, quoi. Bah voilà, Chaos. Avec Death et tout. Oh, on est bien, on est bien. On va y aller comme ça, ça fait un peu de sous dans la machine. Enfin, si j'arrive à vaincre Ultra Grid.
Il va mourir sinon. Je veux dire, il lui reste quoi? 2 centimes, 2 mm de vie? Steam Sales. Merci, c'est pratique maintenant qu'il n'y a plus de shop. Le problème c'est que je fais peut-être énormément de dégâts, mais grid s'aligne sur les dégâts que je fais. Et je suis dans la merde. Enfin, moins que la dernière fois, mais je suis dans la merde quand même. Enfin non, autant que la dernière fois en fait. Je dis des conneries moi. Oui, t'as raison, soigne-toi en plus, t'as pas assez de vie comme ça. Putain, je déteste ce boss, quoi. Par contre, je préviens, ça c'est ma dernière run, celle-là. Pour la soirée. Parce que si j'en fais plus, je vais péter un câble. Et il faut aussi que je pense à essayer de dormir un peu. Pourquoi il se vénère comme ça? Il me l'a jamais fait ça avant. Oh merde. Oh, pas les clés. Oh merde. Oh Dame, comment je suis passé à travers tout ça? Bon, évidemment, maintenant qu'il y a moins d'ennemis, j'arrive plus à les esquiver. Hein. Bon bah je suis niqué, hein, ça sert à rien que je continue. Avec un cœur, je vais rien faire. Comme hier, Tim, comme hier, comme à chaque fois. Puisque c'est comme ça, je vais me venger avec une reine Isaac. Tu. Pourquoi pas? Voilà pourquoi je vais me venger en jouant à Isaac. Parce qu'Isaac il a le D6, il est complètement cassé. Bon, le seul souci c'est que je vais me suicider avec les Flaming Tears. Quand j'ai des items bien, c'est moi qui les utilise mal alors comme ça.
Oh, génial, une salle bien fermée. Elle est ici. Merci. Aujourd'hui, j'ai le droit à mes salles secrètes. Des salles secrètes sympas d'ailleurs. Bon, presque. Pu pu pu. Bah, je t'avoue que moi non plus, mais bon. Alors, Death, c'est de la. Bon, bah, on va garder Death. Hein. Le jeu veut que j'ai Death. On va la garder. Yippee. Voilà. Sinon tu meurs un jour le caca là. Et c'est un boss, c'est la deuxième fois que je l'ai celui-là, je le connaissais presque pas. Oh le PGS. C'est cool le PGS. T'as l'air en joie, c'est flippant. Ouais non, mais c'est la partie de juste avant là, ça me plombe, ça me gave. Non, pas des Mirror Tears. Bon, ça c'est bien. Ça me permettra des sacrifices en plus dans la Dark Room. Alors, vas-y. Oh dame, ça fait boom. Say boom, bitch. Bon, bah le jeu a décidé de me laisser une partie tranquille parce que je joue à Isaac, c'est ça. Le jeu est pitié. Puis il va me fistfuck dans 10 minutes. Ok, une ligne droite, soit. Petit pet cadeau. Mon dieu. Je déteste ces trucs qui sautent dans tous les sens. Parce qu'ils finissent toujours par faire une accélération baisée vers moi à un moment où je m'y attends pas. Voilà, comme ça. Oh non, te régène pas. Hein. C'est fini l'enculade. Hein. Moi j'en ai marre. Voilà, toi tu meurs et puis c'est bien. Oh mon dieu. Putain, il faut que je refasse tout le niveau quoi. Mais j'étais persuadé qu'il n'y aurait rien en bas. Vous allez voir que j'ai l'instinct de pouvoir me tromper régulièrement de trucs. Moi, l'aléatoire, ça fait deux. Oh lame. Si toi aussi t'as pas de balle à l'aléatoire, tape 1. Toi non plus tu n'as pas de balle dans les jeux aléatoires. Envoie pas de balle au 8-16-16.
Tiens, tiens, deux cadenas, est-ce que ça vaut le coup? Oh! Ok, ça c'est cool. Nickel, je me sens moins seul d'un coup. Non, parce que moi et le hasard, c'est une grande histoire d'amour, hein. Je veux dire, oh là là. J'ai des amis qui sont particulièrement heureux de jouer avec moi, enfin contre moi, à Mario Party, uniquement quand c'est des jeux aléatoires. Ils sont sûrs de gagner. Tu vas te prendre ta... Oh putain. C'était vraiment la salle de merde qui servait à rien, quoi. On te soutient, Doc. C'est gentil. Ah bah, une secret room, tiens. Oui, c'est vrai que j'avais pas assez de chance jusqu'ici. Il fallait la diminuer un peu. Bon. Mais en soi, j'espère bien que vous me soutenez, oui. Parce que sinon, moi, je vais encore mourir. Puis je vais râler. Puis je vais mourir. Puis je vais râler. Non, tu me jetteras pas ça dessus. C'est pas vrai. Y en a d'autres, des boss qui veulent me troll comme ça ou... Tu veux me faire un câlin encore, Little Horn? Allez, meurs par pitié. Merci. Je vais d'abord aller là, hein, si tu me dis... Voilà, hein, s'il vous plaît. Alors, ça, je n'en veux pas. Je tri-roll. Et merde. Putain, fais chier. Bon, on va jouer à roulette russe. Speed down. Amnesia. Health up quand même. Et I found pills. Bon. Vigienne, ça retire pas Amnésia. Bon, bah, j'ai utilisé ça pour rien. C'est trop cool. Ah tiens, il m'a ouvert la porte quand même. Il m'a ouvert la secret room pour s'excuser quand même. Mais t'as fini de spawn des bombes, j'en ai... Excusez-moi, ça a dû vous niquer les oreilles. Je suis navré. Je suis navré parce que ça a réellement dû vous niquer les oreilles bien profondément. Le jeu me troll à moitié. Je sais pas comment le prendre. Je suis... Je ne suis que confusion là actuellement. Ouais, je confirme. Ce serait la merde. Oh merde, mais non. Voilà. Me mettez pas dans une salle où il y a que des chauves-souris si c'est pour ça, quoi. Genre là, c'est on veut la mort gratuite du doc, quoi. Le jeu, il s'est dit, on va l'enculer qu'à moitié. On va lui mettre des trucs bien. Mais on va surtout bien le rechoper vers la fin. Et on va vivre une petite béquille, là. Choup de whoop. Putain, c'est con, parce que le... Le dé, c'est mieux que le choup de la whoop, quoi. Oh, c'est pas vrai. On va reroll le choup de whoop. Génial, le Ghost Baby, tiens. Bien de la merde, ça aussi.
Eh ben, je vais être content, moi, tiens, de ma partie, je vous le dis. Enfin bref, après cette run là je m'arrête, parce que sinon je ne vais pas. Je vais pas dormir suffisamment. Et ça ne va pas le faire. Ok, ça a failli mal se passer. Speed down, j'en veux pas, étrangement. Oh non, encore des ennemis qui brûlent et qui volent et qui sautent et qui font chier leur mère. C'est marrant, il a fait une transition bizarre celui-là. Genre il a fait une lévitation divine. Genre ragdoll. Oh, j'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté, moi. Et rip, ma petite loup. Et rip, rip, rip. Pour aussi peu, je me sens un peu enculé d'avoir ouvert cette salle de défi. D'avoir ouvrir, bien sûr. D'avoir ouvert cette salle de défi. Non, mais je me déteste. Non. Je me disais bien. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un truc qui m'avait pété à la gueule. Vas-y, vole! Bon, le cerveau de Bob n'a pas été très utile hein, pour ce coup-ci. Franchement, là, Bob, t'abuses. T'aurais pu me donner un coup de main. Merci, Chiu. Bonne nuit à toi. Je suis pas morte. Par contre, je galère. Eh bah oui, ça. Je n'en doute pas. Et j'espère bien que tu n'es pas morte. Comment on va faire, nous, après? Ça va être l'apocalypse, la fin du monde et tout. L'apologie du terrorisme. Ou l'apogée, je ne sais pas. Ok, donc déjà, on va faire ça pour rigoler, hein, vu que je sais absolument pas où il est, le shop. Vu que c'est Amnesia. Hein. On va tri-roll. Le compas, c'est pas mal, ça j'aime bien. Ça j'aime bien aussi. Oh, on va miser. Yes, two of diamonds. Et elle est le ronron. C'est un chat. Je veux dire. Je suis dans la merde. C'est bien ce qui me semblait. Et merde. Bon bah je crois que j'ai fait le l'apocalypse. Exactement. Oh mais c'est pas possible, j'ai pas des boss moins chiants à faire, non. Sérieux quoi. Donnez-moi ce que vous voulez comme boss, mais pas ça quoi. Ah cela dit, s'il se suicide, moi je prends. Ça va me donner de la vie en plus, mais j'en veux pas, moi. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Allez, le compas, indique-moi les trucs intéressants. Ok, donc la salle du bas, elle est par là. Donc déjà, c'est la salle que je vais essayer de rejoindre pour voir le chemin. Ok, donc c'est pas par là. Donc vu que ce n'est pas par là... C'est forcément. Il faut que ça m'éclate à la gueule quand j'ai envie de me barrer, moi. Voilà, alors quand je suis en full contact, ça explose. Quand je suis à distance, ça n'explose jamais.
Je déteste quand ce jeu me troll à ce point-là. Bon, bah, je trouve la scritte au moment. Le jeu, il a envie de se faire pardonner, je crois. Hein. Je commence à croire que ce jeu ne t'aime pas. Mais ce jeu ne m'aime pas. Si j'ai réussi à gagner la plupart de mes parties et à débloquer plein de trucs, c'est parce que je tryhard. Bah oui. Parce qu'en plus j'ai la Curse of the Blind, donc le dé ne me sert à rien sur cet étage étant donné que je ne sais même pas ce que sont les objets que je vais ramasser. C'est trop cool et je parie que j'aurai le droit à un Devil Deal. Puisqu'un Devil Deal quand tu vois pas ce que t'achètes, c'est toujours plus drôle. Hein. Par contre ils ont fini de me foutre des mobs qui explosent dans tous les sens et qui laissent des tirs dans toutes les directions. Genre Apocalypse 2.0. Hashtag mort de lol. Vas-y, laisse-moi avancer. Laisse-moi aller jusqu'au chope vivant. Ok, il y a un ennemi qui est minuscule. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, il vient de crever. Le jeu me déteste littéralement. Ce n'est pas possible à ce niveau. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça, je m'en tamponne. Ouais. Pourquoi j'ai pas utilisé ça avant? Mais je suis complètement con, putain. Je suis complètement con. Je ne suis plus cohérent. Je n'arrive plus à jouer normalement. Je fais de la merde. J'avais un Two of Diamond, j'aurais pu avoir 70 pièces. Avant de commencer à faire des achats. Mais non! Non, gaspille ta thune, garçon. C'est beaucoup plus drôle ainsi. Putain. Si je commence à même plus être cohérent quand je joue. Hein. Enfin, je suis pas cohérent de base. Mais là, ça devient violent. Mais, mourez. Mourez, créature du démon! Dit-il à une mouche. Ça, c'est viril. Ça, c'est la virilité. Oh mon dieu, tu es juste fatigué. Oh non, mais je suis surtout blasé. Ouais. Vas-y, je t'éclate la gueule. Merci. Voilà, ça c'est bien. Ça fait des sous. Ah merde, je vais aller vers le boss là par contre. Voilà, bon. Donc on va d'abord aller à gauche. Voilà. On va slalomer. On va défoncer leur gueule. À tous ces petits saligauds. Y aurait pas quelque chose de planqué ici? Non, ça m'avait l'air bizarre. Ça m'avait l'air suspect. Laissez-moi crever en paix, je sais pas, achevez-moi ou tu... Ou mourrez, quoi, mais choisissez un camp, quoi, parce que là... Je suis tellement joisse. Allez, meurs, bordel. Voilà. Salut. Oh non, non, j'utilise. J'aime bien. C'est rigolo, Saligo à utiliser. Vu que plus personne l'utilise.
Non mais Curse of the Lost encore, je sais pas. Le jeu me hait. Mais un point. J'ai pourtant pas insulté sa famille ou autre, hein. J'ai été sympa. J'ai juste dit que c'était un enfoiré de première. Étant donné ce qu'il me fait. Et toi, tu vas te suicider, s'il te plaît. Par pitié. Merci. Allez. Putain, j'ai réussi à m'exploser la gueule tout seul. Ça m'a encore explosé la gueule. Attendez, je sens le suicide incoming. Tiens. Non. Voilà, ça c'était un tir de Bob's Brain qui était beau. Non plus. Oh bah oui, des mobs pas chiants hein, pour changer. Salaud de jeu! Salaud! Je sais où tu te caches, Philippe! Olé, hola! Ah bon bah bonne nuit à Tib. Ça m'emmerde un petit peu que tu quittes à cause d'une connexion qui déconne, mais bon. Tant pis, à une prochaine fois dans ce cas. Bon. Oh putain non. Damned que c'est stressant. Bon, au moins il n'y avait rien de caché. Oh non, toi te... Non, pourquoi je t'ai laissé le temps de sauter? Ok, bon. On va tenter de trouver les cul-de-sac. Oui. Non, oui. Allez, prends-toi tes coups. J'ai l'impression qu'il ne reste plus que toi. Tu renifles, tu es malade? Non, je suis tout le temps enrhumé. J'ai un nez de merde. Je me cache derrière la machine. Voilà, c'est tout. Oh bon non, elle a bloqué déjà. C'est quand même con quoi. Oh, 1 plus 1 égale. Yes! Il a encore dû s'endormir dans le PC. Pas de forte chance, oui. Est-ce que j'arriverai à recharger mon dé avant le boss? Ça, c'est une question intéressante.
C'est une question qui me turlupine. Ah non, c'est pas vrai, quoi. Vous avez pas des bombes moins chiants, quoi. Évidemment. Bon. Il me reste une petite zone à explorer. Et j'aurai exploré tout le niveau malgré Amnésia. Sauf les secrets et super secrets. C'est un problème que je ne peux pas régler. Je ne fais pas de tour de magie. Non mais genre, l'autre il tire pas, et toi tu tires. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix à la con? Hein? Pourquoi tu m'as tiré dessus? Parce que j'ai essayé de te tuer. C'est franchement bas. Oh putain, des araignées. Oh, des araignées partout. Non, arrêtez. Je vais faire des cauchemars d'araignées de Binding of Isaac, quoi, bientôt. Étonnant que ce soit pas déjà arrivé, d'ailleurs. Parce que depuis le temps que je me fais troller par ces bestioles... Virgo... Il y avait le shop par là. Ah non, c'est vrai. Il y a le boss qu'il faut que je... Que je défonce. Oh merde, c'est ça le cul-de-sac. Oui, je connais le terrain par cœur, oui, bien sûr. C'était prévu, hein. Ne vous inquiétez pas. Je reviens sur mes pas, mais c'est... C'était prévu, hein. Oui, oui, c'était prévu, oui. Comment ça, je baratine? Mais non. Dites n'importe quoi. Ça va m'éclater à la gueule. Ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Ce boss, c'est de la merde. Ouais, j'aurais peut-être préféré l'autre, en fait. Grave, t'as un putain de GPS dans la tête. Si tu savais, franchement. Puis en plus, j'ai rien qu'augmente mes dégâts, quoi. J'ai les mêmes dégâts que depuis le début du niveau. Franchement, depuis l'étage, depuis le premier étage, j'ai le même dégâts, quoi. Je suis toujours à 3,50. Please, donnez-moi du damage. Je suis en besoin urgent de damage. Parce que bon, je dis pas, hein, c'est bien. Je gagne des thunes et tout, je vais dans les shops, ouais, trop bien. Mais à côté de ça, il se passe rien d'intéressant. Je suis juste dans la merde la plus sombre qui existe. Friends till the end, ouais, bon, ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, Epic Fœtus! Tant bien, je faisais pas assez de dégâts, donc... Epic Fœtus, c'est très bien. Ah, génial, ça fait des dégâts. Ça me fait des dégâts à moi-même. Tout compte fait, c'est de la merde. Pas. Ils t'ont même pas laissé ton couteau. Ah, je confirme. Putain, quoi. Je peux seulement bifler les boss, c'est tout. Voilà à quoi se résument mes parties de Isaac. Je me fais biffer par le jeu. Voilà.
Et après, moi, j'essaye de le biffer, mais ça marche pas toujours, quoi. Ça marche même rarement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Bon, c'est plutôt pratique l'air strike de ce point de vue-là. Aïe aïe aïe. Tiens bah ça c'est fait. Alors ici. Voilà. Voilà. En tout cas ça me fait économiser des bombes. Hein. Je veux dire là. Pour le coup. On peut pas faire mieux. Hein. Two of spades. Ok je prends. J'ai pas vu les deux pièces ici. J'espère que c'est un shop et que c'est pas un grid. Sinon je vais péter un câble. Et c'est un shop qui vend de la merde. C'est un shop qui vend de la merde. C'est génial. Ouais, youpi. Pourquoi pas. C'est un peu spécial ce que j'ai depuis tout à l'heure, mais bon. Pourquoi pas. Et j'étais persuadé que ça passerait. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Bah du coup... Allez, voilà. Bim. Ça t'apprendra, araignée de merde. Houhou. Hey, ton rayon, il était en train de disparaître. C'est dégueulasse que tu puisses me mettre des coups comme ça. Je suis nique talope. Mais non, je suis pas une salope, c'est fou. Oh. La vraie, c'était vraiment pas voulu de bâillir ainsi. Oh non! Pourquoi il y a des leurres au fond? De l'or que je peux pas avoir. Si, je peux l'avoir. Je peux l'avoir, bordel. En faisant comme ça. Allez, viens à moi le pognon. Mais sinon, pour les gens qui n'ont pas Epic Fœtus, ils font comment à cet endroit-là? Parce que, je veux dire, tu te fais juste enculer, en fait, quand c'est comme ça. Que jamais tu traverses toute la salle pour avoir les trucs, quoi. Je veux dire, moi je suis suicidaire, c'est différent. Faut avoir un grain pour aller récupérer ça. Moi j'ai perdu une demi-heure dessus, mais c'est qu'un détail. Voilà. Pas si tu voles, ouais. C'est vrai. C'est le genre de détail que j'oublie quand il y a des parties qui se passent comme ça. S'il te plaît. Merci.
Maintenant, on va faire le Polaroid. Évidemment, je fais une bonne partie maintenant. Enfin, une bonne partie. Vu la vie qui me reste. Ça pourrait être une bonne partie longtemps. Hein. Voilà. Oh oui. Oh oui, des ennemis aussi mobiles que ça, c'est vraiment ce qui me manquait là tout de suite. Voilà. J'aime bien les ennemis quand ils sont un peu moins mobiles. Tu sais que genre quand c'est un peu plus, beaucoup moins calme là. Oh merci. Oh non. Oh non. Ok, c'est bon. Oh mon Dieu, quoi. Après avoir mis Gordy Junior, vous mettez les minuscules, quoi. Je veux dire, c'est du troll à ce niveau ou... Du troll. Demander à ce jeu s'il me troll, c'est comme essayer de demander à un troller s'il veut vraiment faire son métier. Pourquoi s'en priverait-il? Je commence totalement à divaguer. Non mais, meurs. Meurs. Voilà, merci. Alors maintenant, on va mettre ça là. C'est la première fois que j'ai Epic Fœtus et ça se passe bizarrement hein, comme partie. Pour une fois que c'est une pilule sympa. Voilà, impress, impress. Voilà. Bon, décidément, il ne veut pas que je trouve la porte de la secret room. Toi, tu vas mourir gratuitement. Je sais pas comment j'ai fait ça. C'est une nouveauté. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui me sert dans tout ce qui est tombé au sol. Voilà. Ah, punaise. Décidément, la secret room, ça ne veut pas. Oh, puis en plus, j'ai un XL, quoi. Oh, merde. C'est juste insupportable. Ça prend 3 heures.
Quoi, il en reste un là? Maintenant que tu en as plus besoin, tu as 38 bombes ou je rêve? Ah non, non, me laisse tomber. C'est toujours comme ça de toute façon, Binding of Isaac. Hein. Gagner un placenta. Trop cool. Toujours et toujours de la régène. Est-ce que je peux avoir autre chose que de la régène, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir, je sais pas, moi, de la vie. De la vie. De l'attaque, justement. Comment est-ce que je peux survivre à tout ça? Je veux dire... Cathédrale. Bon, bah maintenant on va chercher Isaac. Hein. Non mais par pitié quoi. Ce sketch, putain. Youpi, enfin tu es mort. Tu survis parce que l'air de rien t'es un warrior. C'est gentil, il y en a une qui croit en moi ici. Même moi, je crois pas en moi-même. Ah là, par contre, ça va être la merde là. Ah là, ça va être la merde là. Ah oui, oh, je le sens bien là. Oh là 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 là. Ça devient compliqué là, par contre. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ben voilà. Du coup, moi, je vais arrêter le live sur ça. Donc, bah, à tous les viewers et à la vieweuse. Ah, il y avait encore des gens présents. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit, des bisous, et puis à demain soir. Ciao, bonsoir.